Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Lenovo, c'est finalement un fabricant dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne. Et je pense que j'ai trouvé le bon produit pour introduire la marque Paris. Cette tablette est dingue et on voit tout de suite le grand écran AMOLED, mais ce n'est pas son seul atout, je vais vous l'expliquer tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, je vous propose qu'on commence tout de suite. La tablette propose des finitions exemplaires, on sent tout de suite que l'on a affaire à un produit premium. Le ton bicolore à l'arrière lui donne une certaine allure, mais ne vous y trompez pas, c'est du plastique. Bon, comme je le disais, ça ne fait pas bas de gamme, loin de là. Nous voyons un bloc photo ressortir légèrement à l'arrière dans le coin supérieur. La tablette pèse 565 grammes pour 5,6 mm d'épaisseur. Il y a une petite zone aimantée qui permet de retenir le stylet. C'est aussi à cet emplacement que l'on recharge ce dernier. Elle mesure environ 29 cm de long pour 18 cm de large. C'est un grand gabarit naturellement. La prise en main reste agréable. Bon, il faut clairement aimer les grandes tablettes. La tranche supérieure nous montre des boutons de réglage du volume et deux micros. Celle de droite, deux grilles de haut-parleurs et une prise USB-C. En bas, un emplacement pour y relier un clavier. Je termine à gauche avec deux autres grilles de haut-parleurs, un emplacement pour carte micro SD, ainsi que le bouton d'allumage qui intègre un capteur d'empreinte. Comme je disais en introduction, on a ici un grand écran OLED de 12,6 pouces. Et comment dire, il est juste magnifique. La dalle profite d'une définition de 2560 par 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'OLED, c'est la promesse d'un excellent contraste. Pour ne rien gâcher, la luminosité est ici de 600 nits. En plein soleil, on a une visibilité assez correcte. La colorimétrie est ajustable selon ses goûts. On a quelques réglages sympas pour optimiser l'expérience au maximum. La dalle est certifiée Dolby Vision et HDR10+. Pour visionner du contenu, c'est un véritable bonheur. Naturellement, vous pouvez regarder mes vidéos sur YouTube. En revanche, c'est sur les plateformes de SVOD comme Netflix, etc. que l'on pourra profiter le mieux de cet appareil. Mater des films et des séries sur cet engin, c'est un pur bonheur, une merveille. Je kiffe passer du temps sur cet appareil pour profiter de cet écran qui est vraiment une grande force de cette tablette. Parlons un petit peu des performances car dans cette tablette nous avons droit au SoC Snapdragon 870. Je vous en avais déjà parlé lors de mes tests qui portaient sur le Poco F3 et le Realme GT Neo 2. Ça reste un SoC puissant encore aujourd'hui, là en 2022, malgré le fait qu'il soit basé sur le Snapdragon 865. Nous retrouvons également dans les entrailles, selon la variante, 6 à 8 Go de RAM LPDDR5, ainsi que 128 à 256 Go d'espace de stockage UFS 3.1. Le tout permet d'avoir une fluidité à toute épreuve dans les applications et les jeux les plus gourmands. Oui, je vais vous reparler des hits auxquels je joue, comme Genshin Impact ou encore Call of Duty Mobile. Bien sûr, vous pouvez très bien jouer à Fortnite si vous le désirez. Avec cette configuration, peu de chances d'être déçu. Tous les jeux récents et les applications les plus gourmandes vont pouvoir tourner sans le moindre lag. Après tout, on reste sur du haut de gamme, c'est logique. Nous avons des résultats très corrects sur les benchmarks. Même si mon cœur d'amoureux de la tech est un peu triste de ne pas y voir un SoC un peu plus puissant encore en ce début d'année 2022. Mais bon, c'est déjà très bien comme ça. J'ai un petit peu vous parler maintenant de l'interface Android proposée par Lenovo. La surcouche est assez légère. On reste encore ici sur de l'Android 11. Je ne note pas de changement flagrant, mis à part un menu paramètre un peu réorganisé, mais dans les grandes lignes, ça reste assez proche. Tout est d'une fluidité à toute épreuve, ça c'est quelque chose de très appréciable. Lenovo a mis à disposition un centre de divertissement sur le bureau, l'écran le plus à gauche à la place de Google Actu. On retrouvera Google Kids Space, un espace dédié aux enfants qui seraient susceptibles d'utiliser la tablette, afin qu'ils ne puissent pas avoir accès à des contenus qui ne leur seraient pas recommandés. L'interface est également plus attrayante pour eux, mis à part cet espace. J'ai également remarqué l'application Lenovo Unity qui va permettre de se servir de la tablette comme d'un second écran, en plus en fonctionnant Wi-Fi. Ça c'est quand même plutôt cool, une application compagnon pour faire fonctionner le tout est disponible sur le store de Microsoft sous Windows. Dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Ce n'est pas tout, je vais également aborder le cas du stylet qui lui bénéficie de fonctionnalités qui lui sont propres. Je ne suis pas un fan de ce genre de gadget en général, mais pour certains ça peut apporter en plus en termes de productivité, enfin je crois. Le stylet en lui-même ressemble à un crayon de papier, c'est vraiment à s'y méprendre, la marque apparaît en haut, la mine est un peu grande, tandis que la prise en main est agréable, pour beaucoup, il s'agit du meilleur stylet disponible sur Android. Son ergonomie semble faire l'unanimité auprès de ceux qui ont pu le tester, on retrouve un unique bouton dont on peut servir pour exécuter des actions
même à distance. La mine en elle-même est détectée à partir d'un centimètre et demi environ de la dalle. Pour moi, sa prise en main et sa précision sont un atout indéniable, c'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire, mais franchement, dans mon utilisation perso, c'est totalement futile. À la limite, pour faire des photos à distance en appuyant sur le bouton, ouais, pourquoi pas. La réactivité est en tout cas au rendez-vous, la communication s'opère en Bluetooth, je n'ai rien mieux à faire pour l'appairage. Au dos, on va retrouver un double capteur photo ainsi qu'un flash. Donc on a du 13 et 5 mégapixels pour respectivement des prises de vue grand angle et ultra grand angle. C'est plutôt rare pour une tablette, il faut le souligner. Concernant le résultat avec le 13 mégapixels, je suis assez emballé pour une tablette. En général, je trouve les clichés capturés avec ces appareils plutôt moyens, voire même mauvais. Mais là, ça fait le taf. On a quelque chose d'exploitable lorsque les meilleures conditions de luminosité sont réunies, ça fait plaisir de voir ce résultat. Bien sûr, quand la lumière vient à manquer, ce n'est pas génial. Concernant l'ultra grand angle, je vais être plus réservé quant à lui, c'est clairement moins bon. On a un rendu qui souffre d'un certain manque de détails, pas mal de bruit sur certains clichés également, dommage. Voyons le résultat en vidéo. Voilà, donc là, je fais un petit test vidéo pour que vous puissiez constater en fait quelle est la qualité d'image avec le capteur avant pour commencer et aussi au niveau du rendu audio. On va voir exactement de quoi il retourne. Alors, de ce que j'ai pu constater de mon côté, on a un résultat quand même qui est assez propre pour faire des visios avec cette tablette. Ça fait largement le taf. On aura à l'avant du 1080p, à l'arrière de la 4K. Par contre, au niveau de la stabilisation, là, clairement, ça fait, c'est un peu moyen. On va pas se mentir, mais sinon, au niveau de la qualité d'image, pour une tablette, encore une fois, bon, je trouve que ça fait le taf. Franchement, je m'attendais à pire, parce qu'en général, j'ai l'habitude de voir des choses qui sont beaucoup moins propres que ça. Et là, je trouve que c'est largement suffisant. Sur cette Lenovo Tab P12 Pro, on a droit à 4 haut-parleurs JBL, avec en plus du Dolby Atmos. Et dans les faits, c'est vraiment très bon pour une tablette. J'ai bien aimé m'en servir pour visionner du contenu sur mes plateformes préférées, comme YouTube bien sûr, mais pas seulement. Écouter de la musique, bon après le son n'est pas aussi consistant qu'avec un casque ou des enceintes à part entière. Les basses sont peu présentes, les médiums couvrent un peu les aigus, mais ça fait très clairement le taf. Et c'est tout ce que l'on demande. Si c'est votre première fois avec moi, n'hésitez pas à jeter un œil sur le contenu de ma chaîne. Et si ça vous plaît, abonnez-vous en activant la petite cloche. C'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir. Merci infiniment. La tablette profite d'une batterie d'une capacité de 10 200 mAh. Elle se montre particulièrement endurante à l'usage. Je trouve que la tablette profite d'une très bonne autonomie dans mes usages qui sont mixtes, un peu de jeux, de vidéos, de navigation web et plein d'autres choses. Je suis très impressionné, elle tient le choc, je dois la recharger peut-être tous les 4-5 jours en fonction de mon utilisation, c'est vraiment excellent. Le bloc de recharge fourni est de 30 watts, mais sachez que cette tablette peut encaisser du 45 watts. Selon le chargeur que vous allez utiliser, il faudra compter entre 1h20 à 1h50 environ pour une recharge complète. La Lenovo Tab P12 Pro est clairement une excellente tablette. Elle est bien sûr performante, elle a aussi un très bel écran OLED, du bon son aussi, de l'autonomie, de la recharge rapide. Bref, j'ai vraiment l'impression qu'elle coche, pour moi, en tout cas, toutes les cases. Je vais pas forcément avoir beaucoup à redire, ça c'est vraiment top, sauf peut-être la partie photo, qui comme souvent sur les tablettes est un peu en retrait, bien que sur celle-ci ce soit moins pire que sur beaucoup d'autres produits que j'ai eu l'occasion de tester par le passé sur la chaîne. Le stylet, ça peut vraiment être en plus si vous êtes un créateur, un artiste, bref, si vous en avez l'utilité. Le prix de ce produit premium est en conséquence, on peut l'acheter aux environs de 800 € actuellement, enfin à partir de 800 €, quelque chose comme ça. Ça pique clairement, on a une version Wi-Fi comme ici, on a aussi une version 5G. Je vous mets bien sûr tous les liens en bas en description si vous êtes intéressé par ce produit. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, je suis vraiment très surpris parce que Lenovo est capable de vraiment de proposer. On a vraiment là une alternative assez crédible aux iPads d'Apple ou même encore au Galaxy Tab de Samsung sans problème. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche. Merci infiniment pour votre soutien qui est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.